Bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend de like ou regarde vidéo ça. Mabzou, bienvenue sur page pour là qui c'est Life is good. Et là nous dit Life is good, tout le monde connaît ça déjà. C'est la vie en image, la vie en beauté. C'est toujours un plaisir, toujours un pile qui est content pour monter là car aujourd'hui, là il est bon partager analyse, partager un pile belle pronostics sur Life is good. Nous gagnons un pile bail pour nous parler à ce soir là. Nous avons bête code nous cap bien marché jusqu'à présent, nous avons deux chances d'autre monde. Nous avons deux chances Chelsea, nous avons et victoire Liverpool, nous avons un goal Roma. Ok, pour aujourd'hui, nous avons des équipes dans le match Leipzig là. Et bien, comme ça qui est vraiment belle, nous avons trois matchs demain si bon Dieu veut. À savoir, trois matchs nous étions. Moi, frère, tu prends un goal Manchester United. Hier, goal Manchester United. Et goal Juventus. Et puis, goal Barcelone. Trois matchs ça. Vraiment, vraiment belle. Vraiment belle. Et bête code ça, je vais dire que je vais dire bête code ça à tout le monde qui toujours like vidéo. Yo. Ok, s'il passe, il a passé sous conscience nous. Ok, so, pour tes forces, pas oublier like vidéo. Nous allons travailler avec bête code à ce là. La vais à tout le monde qui like vidéo. Ok, et première ligue là, nous avons une belle salle. Les unités faites, l'option Chelsea, victoire Liverpool. Liverpool qui bat une victoire dernière. Là, nous avons une 12 dans Newcastle là, nous avons un goal Fulham. 1.5 dans Everton là, nous avons 2.5 goal dans Tottenham. Match Tottenham, non, match, je vais pas mettre la bête code là. Raison fait pas mettre mon petit genre manque de confiance parce que je vais aller ligue ça là non je là c'est pas quoi boîte misère mais c'est confiance au fait fiche là qui pourrait dire ok est-ce que fiche ça me mettre 2000 est-ce que me mettre 3000 gouttes sur fiche ça on va prendre sur analyse ça ok parce que cobla il pas rien mais c'est idée et idée avec l'argent et idée avec fait cobla ok et parce que pour demain si mon Dieu veut nous supposé bah le meilleur de nous mêmes on regarde qui j'ai qu'à frapper, nous avons Mathieu Boyza, nous voilà avec elle. Et on a fait Lisa. Serbie. Et nous avons Chiki toujours. Et Benfica Porto, nous voilà avec elle. Nous avons Sporting, nous voilà avec Sporting. Après ça, nous avons Ajax. Nous avons essayé avec Ajax. Nous voilà avec PSV Eindhoven. Ok. Et comme analyse, nous voilà avec ce match Islande a rechargé goal. Nous voilà avec Fenerbahçe. Ok, nous voilà avec Celtic. Ok, pas oublier, c'est pas tout match qui est là, puis qui a tombé. C'est pas tout match qui est là. Et pour nos stickers, je vais mettre le pas maintenant. Mais pour nos stickers, il y a toujours belle, il y a toujours red. Il ne faut pas oublier ça. Et Anderlecht. Okay. Voilà Anderlecht. Ok, nous voilà ensemble avec Red Bull. Red Bull qui a fait gold demain. Deuxième équipe qui a fait gold demain. Et LASK, Stumgaz, en belle équipe là moment, nous voilà avec. Ok. L'arrivée dans 5 championnats à Okunia, on checké et nous gagnons Lyon, Lens, Stade Rennais-Lorient, Le Havre. Bah j'aimerais même jouer dans la Ligue 1, non, mais. Ok, Serie A, nous avons toujours avec Atalanta, en Québec et Juventus. Ok. Après ça, nous avons Leverkusen. Leverkusen, très bien. En Espagne, nous avons Barcelone. Nous avons Girona. Nous voilà Girona. Atletico Madrid, est-ce que victoire de nous? Dans via la victoire, Villarreal, là, même si j'ai. Ok. On commence à faire analyse. Bon, on va tirer match sous notification. Deux choses, c'est la tête belle, va. Bon, on va tirer ça sous notification. Ok. Ok. So là, nous avons une très belle liste devant. On commence à faire analyse. Et on a commencé ensemble avec Ajax. Ajax, c'est en 6e position avec 36 points. Utrecht, dans les 5 derniers matchs, Utrecht, je sais 4 victoires. Elle dit Utrecht, goal, Utrecht capable de mettre bon Dieu à l'aise. Donc, j'ai un match vraiment serré. Ok. Dernier match, Utrecht joue à l'extérieur qui vient de s'être passé. Et il ne tèche pas vraiment jouer bien à l'extérieur, non. C'est seulement 4 victoires pour il tèche à l'extérieur. Et pour Ajax à domicile, c'est 2 défaites seulement pour Ajax à domicile.
Mais on a avec Ajax, il y a un peu des équipes qui passent dans le match Ajax. So, nous avons des pronostics nous avons fait. Nous avons fait un premier double chance Ajax, nous avons fait un deuxième 1.5 goal. Après ça, nous avons Celtic, Celtic qui va là avec Midlothian. Midlothian est une belle équipe liée. Ok, à domicile, il joue très très bien. Très très bien à domicile. Son match Celtic a supposé pour un goal à l'extérieur. Man. Ok, nous avons passé avec un bidet des équipes dans le match Celtic là. Mais pas tellement aimé jouer le match bonnet ça, nous papa. Il a porté malchance. Là, nous avons un très bel match. Nous avons Feyenoord, PSV Eindhoven. Ça a un classique lié, 2.5 passé. Non, il y a moins de moins 2.5. L'équipe ça aujourd'hui. Je vais regarder moi à l'extérieur pour Feyenoord. Feyenoord à l'extérieur. Il perd du seul match à l'extérieur. Côté des PSD1, ça a toujours fait victoire. Et PSV2 à domicile, même c'est victoire net allée. Avec dit, j'ai victoire PSV2 avec un code 2.05. C'est un très bel jeu. Il y a un raison pour que j'aime faire match de la Kaili. Il va oublier la une équipe qui vraiment joue bien. Ok? Et là, 1.5. 1.5, son match qui a gagné 1.5, but des équipes à l'aise. Après ça. On fait suivi nous gain et Koloy Leverkusen qui te match ça pour nous dire ça nous penser de lui. Est-ce qu'il n'a pas patience ensemble avec une victoire Leverkusen qui est 35 ou bien n'a quitté le. OK, pas oublier que Leverkusen ensemble avec 61 points et Koloy avec 17 points seulement. Koloy la Kaili c'est deux victoires seulement la Kaili. Là joue avec une équipe qui perd dit qui beaucoup jamais perd à l'extérieur. OK, qui seulement fait deux matchs nuls à l'extérieur, c'est pas un match qui facile pour Koloy dit tout. Ok, et le match ça dit, je suis pensé de lui. Ok, qui joue à frapper le match ça. Après ça, Manchester City, qui a joué ensemble avec Manchester United, victoire Manchester United 10. Quoi 10? Yo, Manchester United dans 6ème position. Shit, quoi 10 ça a passé, papa. Manchester United, 3 défaites à l'extérieur. Quoi la grâce, Manchester City, pourquoi j'aime perdre la Kylie? C'est un match qui est difficile pour United. Même parce que c'est une des équipes qui a passé. Ok, une des équipes qui a passé. Goal Manchester United pas mal du tout. Souvent, goal Manchester United l'on fiche. Même parce que quand on a supposé jouer un petit corner, parce que je vais aller à l'entour, à l'angoule dans le match City. Un match qui a gagné surprise. Vous comprenez? Un bel match ça. Après ça, on a fait un Varos. Fait un Varos, c'est 5 victoires affilées. Là, je vais recevoir. Équipe ça, bon, regardez-moi, équipe ça à l'extérieur. Équipe ça en question, pile goal à l'extérieur, au carré ça. Là, je pense que ça m'a fait 1.5 individuel Frank Varos qui a passé demain si bon Dieu voulait. Après ça, je suis Zurich Young Boys. Son classique, je vais aller pour 1.5 dans Zurich Young Boys. Ça. Tout le match, ça va jouer à. Là, ma 10e, là. Stumgaz, double chance Stumgaz demain si bon Dieu voulait. Après ça, je suis Besiktas Galatasaray, 1.5 goal. Atalanta Bologna. Bologna, c'est 5 victoires affilées pour Bologna. 48 points. So, si nous faisons des fiches, nous mettons goal Bologne dans une. Goal Bologne qui a passé dans une. Et puis 1.5 goal qui a passé dans le match. Après ça, nous avons Mallorca Girona. Et dis-moi ce qui a passé dans le match Mallorca Girona. Est-ce qu'on va aller pour victoire Mallorca? Est-ce qu'on va aller pour une double chance Mallorca ou bien goal Mallorca? Dis-moi ce qui a passé de match ça. Après ça, nous avons Anderlecht qui a joué avec KS Upen. Anderlecht c'est 4 victoires au match dans 5 derniers matchs. KS Upen avec 21 points seulement, 15e position. Ok, avant dernière position là, Kaili, je pense que ça m'a fait une victoire en délègue de Messi Bondivre ou bien 1.5 individuel en délègue. Après ça, je Sporting qui a joué ensemble avec Farenxé, victoire Sporting 1-14, on a retiré le match ça à l'aise. Ok, pour faire suivi, je Napoli Juventus, son très bel match qui est même la pied et au cas où il y a un pile de déchets à côté de pour tous les deux équipes, son match qui a fini 1-1, un match qui a fini nul tout avec 0-0, ok, nul 0-0 qui a fini, mais. Et si je joue, goal Juventus l'on fiche. Et est-ce que Napoli a battu Juventus 4-0? Non. Et si je fais des fiches, je vais mettre goal Juventus dans une. Et puis moi, je suis 3.5 dans l'autre là. Avec, si 3.5 goal fait dans le match là, je vais Juventus pas marquer. Est-ce que vous comprenez? À l'aise. Après ça, je suis Athletic Bilbao Barcelone. Fanatic Barcelone, je dis que ça passe des matchs là. Est-ce que nous passons Barcelone pour aller des victoires? Je pense que Barcelone a battu demain. Mais qui a fait Bilbao, il y a un fort mouvement. Barcelone, Victor Barcelone qui décarte à l'extérieur. Surtout Real Madrid qui fait un match comme ça. Je pense que Barcelone a supposé battre match ça. Ok, mais bon match qui a facilité. Barcelone a pris un goal. Nous avons 1.5 goal avec goal Barcelone. Goal Barcelone, nous avons 1.5 goal dans le match. Après ça, nous avons Porto qui est le dernier match. Nous, c'est le dernier jour. Nous
le match Porto qui a commencé à 3h30, là, je prends un goal Benfica qui va mal du tout pour Geoffrey. Goal Benfica avec 58 points. Et regardez pour nous à l'extérieur, qui j'aime Benfica jouer à l'extérieur. Dans le championnat, son seul match Benfica a fini 0-0. Dernier match, il bat 4-0, il bat 6-1, il fait des deals. Yo, Benfica, très bien. Porto à domicile. Yo, Porto à domicile là. Une équipe qui joue 10 ans, puis lui. Hey! Et trois matchs seulement, et Porto pour un goal à domicile. Regardez-moi. Match pas facile, non. Goal Benfica pas facile, non. Mais, et des pronostics. Goal Benfica ou bien 1.5 goal. Quand on commence à faire mettre code là. Bagage la caille. Pas oublier, et pas tout match, je m'apprends. Pas tout match, mais ou même là, fait fiche pour là, on apprend dans le pronostic. PS22, Fribourg, on te qui sous lui. 1.5 là, on met lié. 1.5 là, 21. Bon. Comme PS22, beaucoup j'aime bien dire. La Kaili n'a pas de chance PS22. Soit font leur fiche, mettre 1.5 dans le match. Après ça. Je vais checker toujours. Et. Leverkusen n'a pas beaucoup à prendre. Manchester City, Manchester United. Ça a un gros match. Galatasaray, Besiktas. Besiktas, Galatasaray, mais des équipes là, 50. Talé, bon, bah, équipe facile, yo, men. Match ça, yo, gagne un pile en jeu là, dans yo. Bon, zamzo, bon, checker moi. Par exemple, bon, victoire en délec là. Bon, 1.5 en Barcelone. Si, bah, ça, on tige un pile léger. Bon, goal, Girona. Bon, goal, Girona. Bon, 1.5 dans Barcelone. Pas oublier, mon fiche cap l'autre déjà. Il dit, je vais supposer prendre même bagarre avec fiche, je me défais déjà. Au moins, Zamzo, par exemple, je prends un goal Barcelone. Je vais prendre 1.5. Vous comprenez? Et ma prends victoire en délai dans le pays Belgique. Faut faire très attention. Faut jouer bien, vous comprenez? Victoire en délai. Je vais prendre une victoire en délai plus 1.5. Je ne vais pas risquer trop. Ok. Côte moi même quand j'ai 4 matchs là coûte la 2.50 minimum si ma font coûte 15 là besoin 8 à 9 matchs pas besoin trop match va me checker moi dès qu'un goal Juventus déjà là m'gen n'a pas moi sur après 5 j'aime te dire par exemple si la difficile pour Juventus perdre 4-0 comprendre Zamzo j'aime pas jouer là l'avantage moun qui te fait premier fiche débat là premier fiche hier là pas avantage nous en pile par exemple ma pour moi 3.5 la difficile pour moi 3.5 pour 3.5 goal passer dans match pour Juventus pas faire grand goal dans match la difficile pour Napoli battre 4-0 difficile la pour ma pour moi 3.5 dans Juventus ça OK écoute moi toi et match Atalanta son match qui t'a supposé pour un but des équipes là dans raison en lice simple Atalanta a marqué dans match mais Boloi c'est 5 dans 5 matchs pour le jouer, c'est 4 victoires. Même les équipes là, 90. On a mis un tour dans le match encore. Match, c'est un gros match lié. Ouais, Boloi, c'est 5 victoires affilées avec 48 points. Match, ça l'a joué avec Atalanta, pas capable de marquer goal. Et Atalanta à domicile, Atalanta a perdu. Et n'importe 4-1. Atalanta a perdu là, man. Nous sommes supposés jouer une des équipes là. Elle a perdu 4-0. Ou équipe qui se perd 4-0, elle toujours fait belle performance la Kaili. Parce qu'elle t'a supposé, bien c'est qu'elle t'a supposé passer dans le match. Ma p'kin bien ensemble avec elle. Ok? Après ça, ma production chez Stumgaz. Parce que Stumgaz, c'était une belle performance là. Yo, pas l'ex, si m'a trompé. Stumgaz perd un seul match à Kaili. Stumgaz, pas mal. Il perd 2 matchs depuis 2023-2024 là. N'a pas de production si. Regardez pour notre équipe ça. Est-ce qu'elle joue bien là à l'extérieur? À l'extérieur, et toi, victoire seulement de cette équipe-là, fait. Je prends une chance pour me gazer demain dans le pays d'Autriche. Vous comprenez, Zamzo? Je vais supposer risquer trop, parce que je vais prendre un risque dans l'Atalanta. Côté de balle, là, Autriche. Côté de moi, je vais prendre 5. Deux chances pour me gazer. Côté de la PV, quand même, côté de moi, 27. Oh, côté de la PV, non? Deux chances, 19. Je vais prendre une chance qui est 19, mon cher.
Ça, si je mélange avec moins 4.5, je vais checker moi. Ça va avoir 5 goals faciles. Ok, mélange la moins 4.5 coûte la 7. Je vais checker toujours moi. Là, je vais deux matchs pour moi. Qui match à pied? Et Porto Benfica. Fengvaros, Victor Fengvaros, entrant droit en bas pour l'on. Celtic, je n'ai pas mis des équipes dans Celtic là, papa. Mais match à 3 bonnets, mais. Bah, mais je le match bonnet, ça, non, papa. Dernier match, j'ai comment le défini. Mais oh, équipe là, t'es pas de Celtic 2-0. Dernier match, oui. Et dernier match, ma pointe. Shit, ma brisque fanatique. Ma pointe des équipes dans Celtic là. Moi, j'y ai moins Écosse. Et tout le match est encore. Celtic, les deux équipes. 8 matchs, man. Double chance PSV, 20. Gol Girona, 1.5 dans Barcelona, Victor Anderlecht, 3.5 gol dans Juventus, Bidez équipe dans Atalanta Bologna, Dubcha Stungaz, 4.5 gol, Bidez équipe dans Celtic la côte à 12. Ça ne passe pas. Je vais vous ajouter sur lui peut-être. Nous allons comme si retirer nous-mêmes, les Nafels. Si je vais ajouter, gol Benfica. Je vais mettre le Benfica avec des équipes de Galatasaray. Je vais partager le code de la console. 14-05-34. Ok, on va ajouter le goal Benfica. Je vais tirer celle-ci. Je vais mettre le Benfica. Et Benfica ou match qui a gagné mon 3.5 tour, papa. Goal Benfica. Et la Turquie. La Turquie. Mais des équipes dans le pays de Turquie. Ok. Je vais partager le constat. 58, 88, 45. Ok, comme si là, je vais tirer des équipes dans Celtic là. Je vais placer le bas des matchs. Comme ça, tout. Vous pouvez tirer le goal Benfica. Et tirer le goal Benfica et puis quitter des équipes là dans Galatasaray là. Mais fichez bien un peu. Rendez-vous demain pour une plus belle analyse sur la vie. Je vais mettre un peu.